Salut Lego, c'est Luan Brock. Aujourd'hui, je fais la review de Claudia Wolf, que je devais faire il y a très longtemps. Mais on va quand même commencer. On va faire la review de la poupée. Déjà, pour commencer, Claudia Wolf a des longues chaussettes rouges qui lui montent juste en bas des genoux. Elle a aussi des petites chaussures à talons, comme le croc de loup-garou. Comme ça déjà sa sœur Claudine, en quand elle est en school out. Ça ressemble à peu près à ça aussi. Voilà, donc c'est doré avec des détails de petits clous, de petits reliefs sur ses chaussures. Donc elle a la peau brune comme sa sœur, ses sœurs et son frère. Est-ce que vous avez la couleur brune en bas? Voilà. Il y a des gens qui crient, je sais. Mais bon, il y en a qui font un peu une fête. Bon, à part ça, c'est pas dans le... dans la review, mais alors déjà elle a une robe avec le drapeau de Londum dessus, voilà, qui monte normalement jusqu'aux épaules et qui est à bretelles, mais que nous ne voyons pas. Voilà. Elle a un petit bracelet à pique, le même motif que ses chaussures, qui est noir. Par contre, elle n'en a pas de l'autre côté. Elle a une veste rouge avec des boutons noirs et pour refermer tout autour du tissu noir pour le derrière aussi. Donc ses manches s'arrêtent, c'est une petite veste. Au-dessus, il y a des motifs comme ça, je sais pas vraiment comment dire. Un peu un col, mais pas un col monté. Elle a un collier dont je ne saurais expliquer les détails, mais qu'il y a comme une perle ou deux dessus, une perle creusée. Son visage, elle a les lèvres roses et on voit ses dents et ses canines qui sont plus en relief. Elle a un petit nez, voilà, donc c'est la seule qui sourit. Elle a des yeux de couleur jaune, or, comme sa sœur. Ses paupières sont de couleur rouge et au-dessus d'une légère couleur jaune. Et à peine de brillant juste au-dessus. Au niveau de sa coupe de cheveux. Alors, elle est blonde. Mais quand je dis blonde, c'est vraiment jaune. Et oui, jaune. Donc voilà, je vais que vous commencez plus en détail. Elle a deux grandes mèches blondes ondulées devant elle qui arrivent à peu près à hauteur des coudes. Derrière ses cheveux sont attachés à un queue de cheval frisé aussi. Donc ça lui arrive au-dessus des fesses. Voilà, donc quand je l'ai eu, petite information. Quand vous recevez Claudia Wolf, ce que vous n'avez jamais eu par exemple, moi elle est achetée en magasin, mais voilà. Vous la verrez comme ça, et comme c'est pas très joli, je vous conseille de détacher l'élastique et de lui mettre sur la figure de Claudia. Voilà, comme ceci, là j'arrive pas, j'ai qu'une main. Voilà, et comme ça je trouve qu'elle est plus belle. En même temps c'est comme le film, donc voilà. Elle a une boucle d'oreille qu'on ne voit pas du tout, mais c'est des os qui se croisent en croix, voilà. L'autre, je l'ai perdu malheureusement, vu que j'ai emmené à Londres avec moi en vrai. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, normalement c'était un petit anneau. Noir aussi. Voilà pour la revue de Claudia. Mais maintenant, il suffit qu'il reste des accessoires. Bien sûr, la brosse noire, qui restera toujours noire. Son journal intime, d'ailleurs, je l'ai feuilleté pour vous. Il a écrit de transformer en monstre. Si tu lis mon journal. Voilà, il y a toute sa petite biographie. Donc j'informe déjà qu'elle a 19 ans. Donc c'est bizarre qu'ils disent qu'elle est au lycée. Mais bon, voilà. Après, il y a une petite page de son journal intime. Et après, c'est les autres histoires. Enfin, c'est en autre... comment dire? En autre langue. Donc voilà. Et là, une petite tête. Comme pour le dos. Elle a aussi un petit cercueil de couleur rouge avec un tas de petites applications comme celui de Spectrum, mais en rouge, avec la tête de monstre creusée derrière et des fissures de pierre.
aussi un dernier petit accessoire. Elle a un livre où il y a écrit Monster High dessus. Donc qui est rouge. On voit l'épaisseur, les pages, tout ça. Nous ne pouvons pas l'ouvrir malheureusement. Et aussi un petit stylo au bout de la tête de ma Monster High. Et un petit crochet qui permet de l'attacher à ses doigts. Voilà. Voilà pour le review de Claudia. Mais bon, je vais vous présenter la chambre que j'ai fait moi-même. Et si vous voulez voir le tuto de la chambre, et ben voilà, allez visiter ma chaîne. Voilà, ça me dérange pas. Pour la chambre de Claudia, bien sûr, nous avons son lit. Donc regardez le tuto si vous voulez, qui est sur ma chaîne. Donc avec des lunes. Le petit coussin, je trouve que j'ai quand même bien réussi. Voilà, avec drapeau Landum. Une couverture en forme, enfin rouge, avec des lunes dessus, un drapeau des bananes. Mais bon. Le drapeau de Landum. Pour le côté des barres, comme pour d'ailleurs le film Christian Reaction. Même si on voit pas très bien, je suis déçue. Mais elle a une petite table de nuit, enfin un petit bureau, on va plutôt dire. Voilà, je mets le chef. Là, il y a un trou pour mettre ses pieds. Un petit rangeoir. Rangeoir, ça se dit comme ça pour moi, hein. C'est très français. Une petite photo de Claudia. Une aussi ici, comme dans le film. Une ici. J'en ai mis plein. Puis une là. Une là. London, un drapeau de Londres, photo de l'Angleterre. Voilà, une chaise pour s'asseoir, bien sûr. Quand même, je trouve que ça ressemble quand même à une chaise, et en plus, elle tient bien en place. Et derrière, avec une photo de Claudia. Donc voilà, c'était pour la review de Claudia Wolf et un petit bonus en montrant sa chambre que j'ai fait moi-même. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Salut les ghouls!